Pierre Valverde, là, on est devant votre tableau, La guerre et la paix, mais vous, vous avez en main un petit récapitulatif pédagogique sur la genèse d'un tableau. Alors dites-nous tout ça, ça vous permettra de comprendre comment tout ceci naît. Tout à fait. Alors, cette planche a été faite pour cela, et elle montre tout le travail qu'il y a entre la naissance d'une idée, qui là est le cirque, et en particulier une jongleuse, mais on verra ça. Et le cirque est né d'une idée avec ma petite fille qui a voulu que peindre avec moi, elle avait 5 ans, un tableau pour elle, un tableau qu'elle a peint à 4 mains, on a décidé de l'appeler, et c'était son aquarium. Alors elle a fait des découpages, elle a été chercher des herbes et tout, il a fallu que je dessine un Nemo. Nemo est là, c'est moi qui l'ai dessiné, le Nemo. Par contre, elle a fait des découpages, elle a fait des collages, etc. Elle a joué à Matisse. On a joué à Matisse, tout à fait. Elle est très fière de ça. Du coup, j'ai été acheter un beau cadre, c'est dans sa chambre. Donc, il est encadré, ce tableau. Et j'étais, à l'époque, en train de travailler sur le cirque. Alors voilà, le cirque, il a donné lieu, ces trois tableaux qui sont en face de nous, a donné lieu à une trentaine d'œuvres. Là, il y en a quelques-unes, elles n'y sont pas toutes. Mais en voilà quelques-unes. C'est pour illustrer et effectivement expliquer aux personnes ce qui se passe entre, comme je vous disais à l'instant, entre l'idée initiale et la réalisation finale. Il s'en passe du temps et du travail peut-être aussi. Mais là entre-temps, il y a beaucoup de dessins. Ça, c'est ma petite fille qui l'a fait. Hein. Mettons-le à part. Hein. Je lui ai dessiné, elle a mis de la couleur. Hein. C'est un deuxième temps. Par contre, moi, j'avais fait ça. Ça, c'était une nature morte que j'avais fait avec une tête en plâtre. Et puis un compotier, puis deux fruits. C'est parti de là. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur le carnaval et j'ai quelques masques, si vous voulez. Ici, bon ben voilà. Une idée où la couleur intervient, on fait rentrer qu'est-ce que c'est que le cirque, parce qu'en fait on se demande au début, je veux peindre le cirque. Donc il faut que je trouve les couleurs, il faut que je trouve l'ambiance, il faut que je trouve le sombre, la lumière, où elle tombe, etc. Tout ça, il faut le chercher. Donc j'ai voulu faire des dessins corrects, et donc par exemple ici, voilà, j'ai pris quelques dessins. Ça c'est une céramique, une partie céramique, voilà des recherches de couleurs, avec des bleus, des oranges, et voilà, des qui viendront ensuite. Donc, à partir du dessin de la petite fille, j'ai fait, je laisse tomber le clown au poisson, qui est autre chose, mais il y a eu le clown au poisson, et je termine avec un masque de carnaval. Donc, l'arrivée de la couleur vive, très forte, je suis en plein dedans hein, depuis quelques années. Et puis ici, ces trois tableaux qui sont là, donc le premier proche du dessin, donc le dessin est définitif, la mise en place est tout est définitif dans ce tableau là et ce tableau, moi j'estime que quand on regarde un tableau, il faudrait toujours avoir le dessin de base, parce que dans le dessin il y a l'idée complète de la peinture, l'idée qu'a le peintre de ce qu'il va faire, et c'est souvent beaucoup plus parlant, je trouve, moi il y a beaucoup plus d'informations que dans le tableau final. Alors ici, vous voyez des lignes, parce qu'il y a des rideaux, donc des lignes, quelques couleurs ont été jetées. J'étais parti sur ce plâtre blanc, là, et puis les deux fruits du compotier. Et c'est arrivé comme ça. Alors il y a une main, il y a une espèce de veste, et ici, vous voyez, il a écrit quelque chose, la jongleuse aux agrumes. Donc elle jongle. Elle a une grande adresse, elle a une maîtrise absolue, j'adore le cirque. Et les gens qui travaillent, c'est le cas pour en arriver là. Comme pour dans la peinture d'ailleurs, il faut bosser hein, pour arriver à quelque chose. Donc on étudie, et dans le dessin, il y a déjà tout le tableau pour moi. Pour compléter le dessin qui est là, donc un graphique, hein, pour compléter, j'ai travaillé. Un camaïeu. Pourquoi un camaïeu? Pour étudier les valeurs. Ceux qui connaissent la peinture savent bien ce que ça veut dire. Les valeurs, c'est-à-dire calculer comment on va placer les sombres, les clairs, la lumière, les gris, les tons moyens, et tout ça dans une seule couleur choisie, qui est le bleu. J'introduis toujours le blanc et le noir, qui sont pour moi très importants. Souvent, j'introduis le blanc et le noir. Et donc, pour trouver, situer particulièrement les lumières. Ici, par exemple, une correction, la main ne collait pas, j'ai fait des essais, ma petite fille qui a posé pour la guerre d'ailleurs, pour la danseuse à la colombe,
m'a prêté sa main et j'ai dessiné sa main qui va beaucoup mieux pour le geste de la jongleuse.